redevenu un homme, puisque tu pleures. Depuis plusieurs années, je repense au drame dont j'ai été témoin. Cette terrible histoire hante mes nuits et je ne vois pas comment me libérer de ce démon, sinon en couchant dans ce journal les souvenirs que j'en garde. Par où commencer? Vergetorix déposa les armes à Alésia. D'abord il y a un siège. Vercingétorix, idiot! Pourquoi me soutenir que tu sais ta son? Tu vois bien que tu ne la sais pas. Tu l'as apprise par cœur, vraiment? Ah, vous m'avez fait mal! Je le dirai à mamie. À mamie? Elle est allée voir l'instituteur pour toi. Et celle-là? C'est à ton père que tu vas aller t'en plaindre? Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Monte dans ta chambre, que je ne te vois plus de la journée! Enfin seul. Mais comment ai-je pu donner naissance à cette espèce de sagouin, à ces jolies cagneuses, sa lèvre pendante? Le portrait de son père. Oh, je le vois d'ici, se faire plein la fraulein et lécher la casserole. C'est ta mère qui t'en fout. Mais qu'est-ce que je fais ici? La baronne de Cernès. La baronne Galéas de Cernès, Paul de Cernès. Monsieur Constant Meulière, ancien maire de Bordeaux, et Madame Meulière ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur nièce, Paul Meulière, avec le baron Galéas de Cernès. Madame la baronne est de retour et le dîner est servi. Nous vous attendons. J'arrive. Qu'as-tu fait de ta journée? Je suis allé au cimetière. Mais qu'y as-tu fait? J'ai nettoyé la tombe des Dupont. Et tu es allé au village comme je te l'ai dit? Dois-je apporter son repas à Guillaume? Non, il mange un passant. Et pourquoi donc mon petit-fils n'aurait-il pas le droit de manger? Car votre petit-fils, non content de s'être fait renvoyer pour la deuxième fois de son pensionnat, car il suffira à longueur de temps, n'a pas appris sa leçon aujourd'hui. Je vous connais assez pour savoir que vous l'avez déjà puni. Florine, allez chercher mon petit-fils et mettez-lui un couvert. Vous avez votre entretien avec l'instituteur? Un goujat, ma fille, comme il fallait s'y attendre. Il refuse? Êtes-vous certaine de ne pas l'avoir froissé, de ne pas avoir pris vos grands airs? Vous avez pourtant dit de ne pas faire sentir votre soi-disant supériorité. Quel prétexte vous a-t-il opposé? Eh bien, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, que le secrétariat de la mairie ne lui laissait aucun loisir. Allons donc, il a dû trouver d'autres raisons. Mais non, ma fille, je vous assure, il en revenait toujours à ses occupations. Il n'a pas voulu en démordre. Remarquez, je comprends son refus. Il a sûrement dû entendre parler de ce sagouin. Ou de vous? De moi? Comme je vous l'ai dit, il s'est comporté en véritable mufle. Mais peut-être ai-je mal compris. J'ai dû voir une allusion, là où il n'en mettait aucune. Quelle allusion? À propos de quoi? C'est lorsqu'il m'a demandé pourquoi nous ne nous adressions pas au curé. Je lui ai alors répondu que le curé n'habitait pas ici, qu'il avait trois paroisses sur les bras. Et que croyez-vous que ce maître d'école m'ait répondu à brûle pour point? Mais non, ma fille, vous allez encore vous fâcher. Que vous a-t-il répondu? Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne m'aurez pas répété mot pour mot votre conversation. Eh bien, il a ricané que sur ce seul point, il ressemblait au curé. Qu'il n'aimait pas les histoires et qu'il ne voulait pas avoir d'histoire avec le château. Vous n'êtes pas sotte, ma fille. Il faisait bien sûr allusion aux rumeurs qui ont couru sur votre compte. Votre relation ambiguë avec le curé a fait le... Assez! Ce ne sont que des rumeurs de paysans. Comment un instituteur peut-il écouter de tels commérages? Non, c'est impossible. Il doit y avoir une explication. J'irai lui demander des comptes moi-même.
Cela ne vous servirait qu'à vous donner en spectacle. Et tout compte fait, je ne veux pas que Guillaume prenne des cours avec ce rouge, ce communiste. Il pourrait détourner Guillaume du droit chemin. Que m'importe votre avis. Vous avez sûrement du mal à comprendre certains propos. Je m'en vais lui rendre visite de ce pas. Eh bien, je lui ai remis son clou à ta femme. Dites maman, c'est vraiment un rouge cet instituteur? Tout ce qu'il y a de tout rouge, du moins le sol affirme. C'est tant mieux. Je veux pas que le monsieur tout rouge vienne me donner des leçons. Montre de l'autorité une fois dans ta vie, Galéas. Tu n'as qu'un mot à dire, non et non. Je ne veux pas livrer mon fils à ce communiste. Tu laisses passer l'orage. N'écoute pas madame là-bas. Et pourquoi ne serait-il pas aussi instruit que les enfants d'Arbis? Laissez les arbitres tranquilles, Fräulein. Ils n'ont rien à voir à faire. Je ne veux pas que mon petit-fils prenne les idées de cet homme. Voilà le fond d'histoire. Pauvre poule. Comme si on avait lui parlé politique. Il ne s'agit pas de politique. Et la religion, qu'est-ce que vous en faites? Il est déjà très en retard en catéchisme. Moucher cet enfant, Fräulein, il est dégoûtant. Mais pourtant pas difficile. Puisque tu n'as qu'à dire non. Puisque tu n'as qu'à dire non. J'ai pas le droit. Qu'est-ce que cela signifie, Galéas? Le père de famille a tous les droits pour ce qui touche à l'éducation des enfants. J'ai pas le droit. Laissons cela et profitons un peu de cette soirée tranquille, cette folle de femme. Je savais que cette alliance avec cette famille qui n'est pas de notre monde était une erreur.